Yo les petits potes, on se retrouve pour une vidéo. Donc on n'est pas dans les corps habituels, on est dans ma cuisine, en fait, à la table. Parce qu'aujourd'hui, les amis, on va faire une dégustation de moments d'Halloween. Parce que oui, c'est l'Halloween. Donc je vous propose de directement commencer. Mais avant tout, abonnez-vous, likez, partagez. C'est parti. Donc les amis, avant tout comme boisson, on a pris de l'eau parce que ça va déjà être en masse sous les mains. J'ai mon sac plein ici, mais oui, c'est un sac Bud Light que j'ai gagné tout à l'heure dans une machine à pince. Avant tout, on commence par le seul bon mot que je n'ai pas obligé, que je vais direct manger. Takis Fuego. En fait, j'ai jamais goûté ce type-là parce que je croyais que je pouvais pas en manger à cause que je suis intolérant avec tout, puis je pensais qu'il y avait du lait. Mais non, donc on va goûter. Je l'ai pris. Je sais que ça n'a pas trop à voir avec Halloween, mais de toute façon, mon monde, on va pas voir ce que ça sent la lime. C'est vrai, hein. Ça goûte un peu à l'orto. Mais c'est pas si pire. Donc on va se passer au deuxième moment. On va piger. Des araignées comme ça. J'ai jamais goûté, donc on va piger. Ouais, sucré. Bof. Je n'ai pas tant sur ça. On va donner une 9 sur 10. Les chips, 9 sur 10. C'est vraiment bon, les chips. Ça. Ça, je vais donner 4. J'aime vraiment pas ça. On passe direct parce que j'ai pas le goût que ça prenne 100 ans. Papa, à la citrouille, je pense. Au goût de caramel. Oh, ça sent vraiment le caramel. C'est tout blanc, par contre. C'est supposé tout caramel, c'est tout blanc. Ah oui. Ça goûte le caramel, mais c'est super bon. Ah oui. Ah, des fantômes guimauves. On va goûter. Moi, je faisais un bonbon. Je me suis préparé une assiette, un couteau, une fourchette. Parce que vous allez voir c'est quoi le bonbon. Puis c'est ça, c'est ça. Donc ça, un petit fantôme. J'aime ça. C'est une guimauve un petit peu plus sucrée, mais ça goûte rien. Ça goûte pas grand chose, vraiment. Je vais quand même donner un 7. Moi, ça, c'est quand même bon. Ah, c'est vrai que je vais faire un 5. Ça reste plus tard. Ah, lui, c'est ma petite soeur qui l'a choisi. Non. On va choper le scorpion, tu sais. Hop, le scorpion va ramener. On les chute comme ça. Le scorpion. Ça s'ouvre pas. Putain, c'est un peu compliqué à ouvrir cette merde.
avant. Un scorpion. Je vais vous l'approcher. Déjà, texture incroyable. Mon chien qui est venu sortir. Ça, scorpion, je donne un 6.5 sur 10. Au prochain. Les petits pois, j'ai envie de ma capuche, il faisait chaud. On reprend le sac. On mélange. On cherche ça. On ne sait pas c'est quoi. Je l'utilise ou pas. Ah, une boîte et un sac, hein. Très écologique. On loue. On a chopé un cœur bleu. Très bon. Est-ce que ça passe devant les guimauves? Non, c'est un petit peu derrière les guimauves. Je me rappelle plus j'avais donné combien aux guimauves. Mais c'est mettons un petit peu en dessous. Bon, de toute façon, vous allez voir comme un job. Mais bon, voilà, juste un petit peu en dessous. On passe au prochain. Donc les amis, je vais juste passer ça. Bon, le prochain. Ah, j'ai envie, ça commence à être très sucré dans ma bouche. Le prochain. Bien, le serpent. Ah oui, des petits yeux comme ça. Oh. Oh, oui. Mais avant, je vais vous présenter. Pas les yeux méga bleus, il n'y en avait plus, mais j'ai dit tout. Ils sont pas si bons que ça. Ça, ça dépasse pas les guimauves, mais ça dépasse facilement l'eau. Ah non, ça dépasse aussi les guimauves. Oui, ça dépasse les guimauves, clairement. Ouais. De pas beaucoup, mais ça dépasse. Il reste deux moments, je crois. Ouais. Bon, on passe sur lui. Another drop, Halloween. Donc tout le monde a tout tourné le drop. Ceux qui en posent des pas, si on a bien ça, les nerds dessus. J'adore ça, ça passe dans l'œil direct. Ça passe dans les yeux. Le dernier, hein. Ah, là, c'est bon, ça va. Ah oui, c'est vrai, c'est lui. C'est pas si bon. Non, c'est pas si quoi. Donc, on va déboucher. Oh, il est coriace, donc on prend le couteau. Ça pue le soya. Genre, la sauce soya, là. C'est de la gomme. Je crois que ça passe devant ça. Oh oui, ça passe devant. Mais de pas beaucoup. Mais de pas beaucoup. Le plus spectaculaire pour la fin. Bam. C'est pas truqué. Le plus spectaculaire pour la fin. Un cerveau. Oui, un cerveau. On va préparer un cerveau. Donc les amis, je vous ai mis comme ça pour le cerveau. Oh, c'est vraiment très très gluant. C'est très collant aussi.
Donc on va le déballer. En essayant de prendre partout. Ça colle les gars, regardez. On va le mettre dans l'assiette. Collé. Merde, mais dégage! On va acheter ça. Ah, calique! Bon. Regardez juste la texture. Le truc, c'est du gel. Bon, ben, on reprend le cache-goutte. Les amis, nous voici à leur pâte. Le sang est quand même bon. C'est trop sucré. C'est trop sucré. Ça pose devant ça, parce que ça c'est vraiment dégueulasse, moi je t'ai jamais vu faire les mains. Mais, c'est juste devant, mais pas beaucoup. Les amis, on va tout jeter. Caler de l'eau. Et on va faire le classement final. Donc bon, je me suis lavé les mains. En tout cas, nous avons les chips. J'adore les chips, c'est pas plus que ça, j'adore. Pas méga piquant, mais c'est pas fait. Là, on va pas caramel. En top 2. Top 3. Donc le podium, on roule ma tabou. Le jeu. En fait, pour vous expliquer, si vous avez pas compris, dans le fond, les chips, c'est le meilleur. Ensuite, c'est le truc caramel. Après, c'est le drop. Ça descend comme ça. C'est pas comme un vrai podium où on commence par le trou. Là, je dirais que commence par le premier. Donc, à tout de suite. Ouais. J'ai bien aimé. Ensuite, on continue avec les yeux. Les fantômes de très près. Ces bonbons-là. Le cerveau. Ah merde, attends. Avant le cerveau, il y a quand même ces petits insectes-là. Le cerveau. Cette merde. Et cette dégueulasserie, n'achetez jamais. Donc, c'est ça. Pour cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, parce que ça m'a coûté cher. Hein? J'investis pour vous, même si la chaîne ne me rapporte rien. Je compte sur vous, les gars. Partagez au max, parce que, comme je vous dis, ça va me coûter cher. Hein? Je me répète, mais c'est pour être certain que vous partagez vraiment. Donc, ciao, les amis.